Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de la péter? Mais non, comment ça je me la pète? Je suis en train de montrer un bout de vidéo, on réclame des petites vidéos d'entraînement. Donc voilà, je montre sans trop montrer d'ailleurs. Parce que tu vois, je suis filmé d'assez loin, il y a... voilà. Ouais, mais dis-le, en train de te la péter. Attends, écoute, je me la pète de quoi? Franchement, pour me la péter, déjà, il faudrait que j'ai un niveau autrement que celui-ci, hein, pour pouvoir rivaliser avec les plus gros. Hein. Donc là, j'ai encore le temps. Salut, comme vous avez pu le voir, j'ai changé la manière de présenter les tests, alors pas sur le fond mais sur la forme. Donc ça semble vous plaire. On fera la même chose pour les futures vidéos. Oui, ben, pense au présent déjà. Comment ça? Ben, commence par le payer. Donc, comme je l'ai expliqué, les tests, j'en fais régulièrement. J'en ferai pas 40 par mois non plus, ça sert à rien. Ça serait complètement vous mentir déjà. Donc, on peut pas faire 40 tests par mois, c'est impossible. Et ça ne constitue pas l'essentiel de mon site. Par contre, je prends plaisir maintenant. Ça demande un peu plus d'écriture, hein, j'ai amélioré. Mais ça demande... Enfin, je prends plaisir à réaliser ces vidéos. Donc, j'en ferai régulièrement, quoi. En plus de l'épisode de Un Bodybuilder, les podcasts qui reprennent, qui reportagent, hein, j'ai déjà des petits projets ici et là. Alors ensuite, je vais vous parler des chaînes, hein, que j'ai décidé de mettre en, enfin des chaînes ou des personnalités, des sites que je vais mettre en avant. Alors tout d'abord, c'est un compte Instagram que j'ai découvert par hasard parce qu'il a liké une de mes photos. C'est Jonathan Mulot. Alors c'est un jeune athlète, hein, qui est atteint de mucoviscidose. Et j'aime bien suivre ce genre de personnes qui inspirent vraiment, c'est vraiment la motivation pure. Parce que nous, on a tendance, moi le premier, à se plaindre. Oui, il fait pas beau, j'ai pas les m'entraîner, j'ai pas trop envie, pas le mental. Et quand tu vois ce genre de mec, ça t'apprend beaucoup de choses. Hein. Rester humble, il faut rester positif. Et c'est le genre de personnes que j'aime bien suivre, hein, parce qu'ils sont toujours positifs. Il y a également David, on a déjà parlé dans une vidéo précédente, de Je deviens bodybuilder. C'est un gars qui est préparé par mon coach Patrick Ossolani. Donc, comme vous avez pu le voir, il vous l'a expliqué, il est paralysé, il fait de la course, hein, donc il est appareillé, évidemment. Alors, Patrick Ossolani s'occupe de lui. Pour tout ce qui est entraînement physique et diététique, et il a un autre préparateur également pour tout ce qui est course. Donc je vous invite à aller le suivre également, hein, parce qu'il vit une belle aventure qui commence maintenant. Et il a montré par exemple qu'il a la confection de son appareil pour la course. Donc ces gars là je vous mets les liens évidemment en bas de la vidéo, hein, donc vous pourrez suivre leur compte Instagram respectif. Donc c'est ça, hein, l'esprit cher fitness, c'est de partager. Mais non, mais le clash, c'est plus vendeur, mec, la YouTube monnaie. Ouais, c'est plus vendeur, hein, mais bon, c'est pas trop là. La philosophie de la maison. Ensuite, j'ai une application que j'ai envie de vous parler, que j'ai partagé sur la page Facebook. J'ai également rédigé un article, hein, qui en parle sur le site, sur Fitness. C'est NutriPanning. Placement de produit. Mais non, pas placement de produit. J'ai pas reçu d'argent. Hein, c'est juste, voilà, il m'a écrit, il m'a dit, voilà, voici mon application. Est-ce que vous pouvez en parler autour de vous? Et c'est ce que j'ai fait, c'est tout. Et qui te partage, toi? Bah, moi qui me partage. Il y a quelques-uns qui me partagent. La bonne poire. Ah, mais reste poli un petit peu. Hein. C'est donc une application génératrice de repas, hein, qui tient compte de vos besoins en fait. Donc c'est vachement bien comme idée. Hein. Et c'est très très prometteur. Hein. Puis après les retours que vous avez fait, les premiers retours, ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, n'oubliez pas de soutenir le magazine Fitness Mag. Hein. Il y a un nouveau numéro qui est sorti. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Donc il est sorti, je crois, hier, il me semble. C'est gratuit. Il y a beaucoup de conseils. Hein. C'est super cool parce que vous pouvez. Donc c'est numérique, c'est gratuit. Vous le regardez en format PDF, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de conseils. Je vous conseille également les anciens numéros. Hein. Avant, ça s'appelait Body Body Russe. Et en plus, c'est interactif. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, quoi, à regarder, donc, qui vont avec. Pour ceux qui sont connus, qui interviennent là-dedans, j'ai notamment Théo Fitness Smith qui rédige des articles là-dedans très, très intéressants. Donc, je vous invite à aller visiter ce site, la page... YouTube, etc. Alors, concernant donc, les questions qu'on me pose souvent... Comment prendre du muscle en perdant son ventre tout en continuant à manger des McDo? Je suis pas coach, encore moins magicien. Puis là, faut être plus magicien que coach. Hein. Vas-y, fais coach, il y a moyen de se prendre la thune, là. J'ai une PS4 Pro à acheter. Alors, une question qui revient souvent, c'est savoir où est-ce que je m'entraîne. Je m'entraîne dans les salles Fitlane, donc dans le PACA. Je suis sur Nice et je tourne un peu partout, donc n'hésitez pas. C'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse. Et les gars, en général, sont très très sympas. Ils attendent que j'ai fini ma série ou alors mon exercice. Pour venir me voir. Donc, c'est toujours intéressant de vous découvrir. Ensuite, on me demande de tester certains compléments alimentaires, certaines références précises. Malheureusement, je suis limité. Génial, ça y est, tu recommences. Enfin, je suis limité en ce qu'on me propose, hein, parce qu'évidemment, ce sont des distributeurs qui me proposent certains produits. Après, je peux avoir le choix ici et là, mais bon, je ne peux pas avoir toutes les références du monde, évidemment. Donc, à mon avis, si vous voulez avoir plus de tests produits,
il faut que je recrute, et pour ça il faut aussi augmenter la visibilité du site, il faut vraiment exploser en termes d'abonnés. Ça ne marche que comme ça. On est bientôt à 10 000 sur YouTube, donc c'est cool. On est à quasiment 20 000 sur Facebook, donc c'est super sympa. Mais les marques, voilà, maintenant, elles ne jurent que par ça. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui font des 100 000 fans, ils ont ce qu'ils veulent par rapport à toi qui fait moins, forcément, les marques vont aller là où il y a plus de possibilités pour eux de diffuser leurs produits. Mais je remercie toujours ceux qui nous soutiennent. Hein. Il y a des marques, des distributeurs qui nous contactent régulièrement. Et merci à eux. Et bientôt, le retour du podcast avec Gundil. Ah, Gundil, mon maître. Ton maître. C'est le maître à beaucoup de monde, hein, mais il y a beaucoup qui l'oublient aussi, hein, que c'est grâce à lui qu'ils en sont là. Donc on va faire ça aussi en espérant qu'il a amélioré son souci de micro. Donc voilà, donc c'était une des petites news, hein, pour vous faire patienter jusqu'au prochain test produit qui arrive la semaine prochaine. D'ici là, soyez curieux et motivez-vous, hein, toujours à aller à la salle, entraînez-vous et il faut partager le positif. Salut.